Hey yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerti sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui va être un peu de retester les anciens decks ambiance 2017 que je retrouverai, j'essaierai d'en trouver. Donc là j'en ai retrouvé un qui a l'air plutôt pas mal, on va aller le voir ensemble et de les tester, voir s'ils marchent encore dans notre ladder actuel. Ça peut être sympa parce que là je suis un peu en manque de concepts. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prends absolument tous les concepts. Si le concept est bien, j'essaierai en tout cas d'en faire une vidéo. C'est à vous de jouer en commentaire. On va voir directement le deck. C'est parti. Donc voilà le deck que j'ai retrouvé. Vous pouvez aller retrouver des decks un peu similaires si vous voulez sur Wiki Clash Royale et qui a été posté par Chris. Donc le 24 août 2017 apparemment. Donc merci à Chris. Franchement, c'est grâce à lui qu'on en est là. C'est un peu grâce à lui. On va aller copier le deck directement sur Clash Royale et on va le tester en game. C'est parti. Non, honnêtement, moi je trouve qu'il y a un truc à faire avec ce concept, donc je l'ai copié comme ça. Bon, on s'en fiche un petit peu de l'ordre des cartes, mince. Et on va aller tester ça directement. Franchement, tu vois, retester des decks là, à l'époque, tu te disais ça c'est super fort. Et là maintenant, tu te dis, bon, le deck est un petit peu bizarre. Mais à une époque ça marchait, donc pourquoi ça marcherait pas maintenant? Pourquoi? Là, on tombe directement contre Ben XD. Je baisse un petit peu le son du jeu. Et là, il nous joue directement un esprit de feu. Donc là, on va voir un petit peu. Est-ce que le deck a toujours cette synergie? Cette synergie qu'il eut une fois dans son humble histoire. A l'époque, par contre, méga chevalier 12, je viens de voir. C'est vrai que je joue jamais cette carte. Hein. Pour le coup. Et là, en vrai, j'ai bien envie d'aller gérer son Arc-X. Hein, parce que là, il commence déjà Arc-X défensif. On n'a pas commencé la game. Bon. S'il met des squelettes. Oh là 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 là. Mais les gars, ça commence. Mais les gars, ça commence. Mais le talent, 2017, pas 2017, si le talent est au rendez-vous, est-ce que je lui fais le coup de la tornade? Non, pas besoin. Honnêtement, pas trop besoin, là, pour Ben XD, qui nous met une capa plus que douteuse, j'ai envie de vous dire. Plus que douteuse. Et là, on a pris un très bon avantage, franchement. Heureusement qu'on a tenté le pré-shot, parce que s'il décide de bien nous bloquer la game, les gars, je peux vous le dire, on passera pas, hein. Les gars, je peux vous le dire, avec l'Arc-X, on passera pas. Bon, le MK, bien que niveau 12, normalement, il devrait bien se débrouiller. Là, il va peut-être tanker son Arc-X, par contre. Ok, non, nickel. Nickel. On prend aucun dégât sur la tour. J'ai envie de lui faire le coup de la tornade, là. Allez, hop. Tu repasseras pour la capa, mon ref. Non, mais... Voilà, je préfère être clair avec toi, on se prend deux petits coups de range, je pense. Et là, ça part. Sur la description, je crois que le mec qui avait posté le deck, il avait dit « C'est pour ta contre-attaque. On doit prioriser la contre-attaque avec ce deck. » Je viens de... Oula. Bon, je bégaye. Je viens de recevoir une attaque. Contre-attaque directe. Bon, c'est pas passé des masses, quand même. Hein. Par contre, là, le chevalier, il m'embête bien, là. Je voulais activer la tour, mais bon, Arc-X, franchement, ça sert à rien du tout. Ok, il nous joue l'Arc-X défensif, ouais. Ah non, mais non, le boulet. Ah bah ouais, les gars, mais bon. Oh, le bourreau. Oh, le bourreau de fou. Oh, le bourreau de fou. Encore un coup. Oh, dommage, dommage qu'il est focus sur les squelettes. Les gars, on va pas calculer ces Arc-X def. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ben XD, tu nous auras pas comme ça. On part MK dans le fond de terrain. Là, t'es bloqué, frérot. Là, il est bloqué. En tout cas, à droite, il est bloqué. Est-ce qu'il va tenter à gauche? Je fais un petit blocus. Yes, oh non. Oh non, la raid, pas comme ça. Oh là là, oh les dégâts de zone. Oh les dégâts de zone. Ah bah ouais, les dégâts de zone. Est-ce qu'il a des sorts pour venir gratter? Attendez. Alors, là on va partir comment? On part comme ça, ok. Mauvais canon, mais il s'en sort bien. Mais en fait, tant qu'il ne m'émet pas de pression, je vois pas pourquoi je paniquerais. Hein. Alors là, par contre, ça peut être chaud. Je vais essayer d'aller sniper la reine comme ça. C'est ma meilleure moyen de le défendre, je pense. Allez. Non, ça va connecter sur l'Arc-X. Ok, ça touche quand même la reine. Allez. Oh, la défense, elle est clean. Oh, la défense, elle est plus que clean, là. Il peut pas mettre. Il peut pas mettre le canon. Là, le canon, il serait direct dans le MK. Il est obligé de le mettre sur le côté.
Il défend plutôt bien en vrai. En vrai de vrai, il défend plutôt bien. Petit bourreau, faut bien mettre dans l'axe. Au pire, on a la tornade. Oula, 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 oula. Ok, oh non. Ok, c'est bon, j'ai cru que le cochon allait sauter. Ok, ça gratte, ça gratte. Une minute. Même s'il me sort une roquette miroir, là, il n'a pas le temps de cycler. Non, 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 oh, c'était tendu. Oh, je joue avec le feu, là. Là, c'est vraiment jouer avec le feu, pour le coup. Allez, petit splash sur l'arène. Ok, nickel. Nickel, nickel. Oh non, 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 non. Ok, les gars, faut juste tanker. Là, c'est juste du tanking, là. Oh, c'est une galère. Faut retomber sur un MK. On retombe sur le MK. Le MK qui défend l'Arc-X. MK niveau 12, hein. MK niveau 12, cheaté, nouvelle méta. Ah là, c'est nouvelle méta. Hein. Les gars, j'ai l'impression que toutes les vidéos ont créé une nouvelle méta. Les gars, laissez votre MK niveau 12, il est amplement suffisant. En tout cas, ça fait une game, une victoire. 100% de win rate, les gars, on arrête la vidéo là ou quoi là? Le deck est validé. Le deck est validé. On part dans la deuxième game. C'est parti. Pour l'instant, ça se passe bien. Attendez, les gars, je viens de débloquer en plus un coffre de foudre sur cette game. Est-ce qu'on l'ouvrirait pas direct? Ah, mais en plus, j'allais mettre une clé. C'est quoi ce flop? Vas-y, on repart direct dans la game. Je fais même pas de coupure. Moi, je croyais que j'allais débloquer enfin le canonnier. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut le débloquer là-dedans même? Bah, je pense quand même. Je pense, sinon il y aurait quand même très peu d'intérêt, quoi. Mais bon. Chevaucheur. Allez, ça part. Ok, on a la tornade pour ça. Oh, pa, 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 la catastrophe. Le doigt qui a glissé, les gars. Oh là là. Oh non, mais comment mal débarrer une game qui aurait pu si bien commencer? Ça aurait été trop facile, en fait. Baba, j'espère que tu notes l'effort. Je te laisse une petite avance. Je te laisse une petite avance. La première game, bon, on a pris direct de l'avance. Après, tu sentais que c'était plié. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus de suspense. Ok. Allez, deux coups, s'il te plaît. Ouh. Le trois coups, j'aurais pas dit non. Est-ce qu'on prend un coup de bourreau, je pense, là-dessus, ou deux? Ah, ça va faire deux coups, ça, non? Non, un coup, un coup, un coup. Ok. On s'est remis devant. Après, lui, il a commencé sur nos deux tours. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit écart. Est-ce que je me prends deux coups de cochon, vu que mon MK est niveau 12? Aïe. Aïe. Ça fait mal, ça. On va faire double push. On va faire double push, étant donné que le... Ah. Étant donné que le cochon se suffit à lui-même pour push. Ok. On va activer la tour, je pense, avec le sorcier. Au vu de mes capacités actuelles, j'ai peur de le rater, le move. Allez. Nickel. Pixel, il met un poison dans le vent. Pas compris, ça. Ouais, Baba, là, j'ai pas compris, là. Baba Yaga, j'ai pas compris. Faudra peut-être m'expliquer. Peut-être y a peut-être quelque chose derrière. Hein. Peut-être une idée qui le taraude, j'ai envie de vous dire. On va partir en bourreau. En vrai, le bourreau, il lui bloque un peu le cochon. Même s'il défend pas très bien le cochon, je me vois pas forcément envoyer un cochon sur un bourreau. Donc là, au moins, on se met un petit peu tranquille par rapport à ça. Petite... Oh là 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 là. Oh la bûche. Oh la bûche de fou. Oh la bûche était folle. Là, la bûche était folle. Ok, petit esprit. Aïe. Oh non, ça l'a décalé, je crois. Allez, nickel. En vrai, pas mal. En vrai, double push. Il peut pas mettre de tombstone trop au milieu. Ok, un coup. Deux coups. Nickel. Attendez, parce que là, ça peut être tendu, là. Attendez, 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 attendez. Ça met combien une tornade? Ça met 78. C'est carrément fini là, c'est carrément fini. Deux games, deux victoires avec le deck. Elle était un peu moins large aussi parce que j'ai raté ma tornade en début de game. Les gars, une petite glissade, ça arrive. Une petite glissade, ça arrive. Mais en tout cas, pour l'instant, le deck y passe. Deux games, deux victoires, comme je l'ai dit. On part dans la troisième game, let's go.
Troisième game, pardon. Avec ce deck, on part au cochon direct. Direct au pont. On n'a pas le temps. Mini PK. Les gars, mes dons de voyance, là, je vois quoi? Déjà un zap. Non, pas un zap. Ok, lui, il joue un truc bizarre. Oh, je vais laisser connecter le mini PK, j'ai la flemme, là. Oh, le mini PK qui me prend un quart de ma tour. Un quart de ma tour, ça fait mal. Non, franchement, ça fait mal. Ok, maître mineur. Est-ce qu'il va activer le pouvoir pour l'envoyer à droite? Enfin, à gauche. Oui, je confonds ma droite et ma gauche, oui. Je l'avoue. Non, mais je plaide coupable, si c'est ça que vous pensez. C'est vrai que c'est un défaut de ma part. Et là, par contre, je vais activer la tour. Ça, c'était sûr. Ok. Oh là là. Oh la sauce. Oh la sauce. Va falloir mettre une tornade, là. À part s'il lui court après. Let's go. Meilleur move, en fait. Le move était parfait. Allez, viens là. Nickel. Nickel, la def. Oh, je suis déçu d'avoir pris un coup de mini PK. C'est dommage que j'avais pas mon esprit en main. J'aurais pu l'éviter. On cycle bien notre bûche. Non, le deck, franchement, même pour 2017, il était quand même bien réfléchi. Est-ce que ça def, ça? L'important, c'est quand même de def à droite. Allez, nickel. Nickel, les gars. Nickel, nickel, nickel. On a 300 PV de retard. Il a une tour à bombe, ça peut être un peu embêtant. On peut essayer peut-être de la forcer avec un MK et après de passer avec... Ouh. Alors, attendez. J'ai envie de tenter, là. Oh non, c'est beaucoup trop tard, là. Oh, c'est beaucoup trop tard. Oh, ça touche à tour. Ça touche à tour. Les gars, ça touche... Oh là 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 là. Oh non, ça touche plus à tour. Oh oui. Touche, touche, touche. Oh, abuse. Ok. Ici, je pense que ça... Oh non, 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 s'il te plaît, tire pas. Regardez comment elle tire, mais... C'est ça qui me fatigue. C'est que même si la troupe, elle reste 2 secondes sur le terrain... Elle tire, genre. Même si elle est plus là. A rien à faire qu'elle est là ou pas. Ah non, franchement, c'est abusé. Ok, les gars. La combo, c'est vraiment ambiance 2017, là. Oh, l'activation de tour. Mais non. Mais pourquoi? Oh là là, en plus, les flèches dans les... Oh là là, oh là 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 là. Là, c'est pas fameux, cette game, là. Là, je vous avoue que c'est pas fameux. Ok. On va devoir la défendre, elle, en plus, là. On n'en peut plus. Je mets ça, c'était sûr. Oh, le bourreau. Oh, le bourreau, les gars. Le bourreau qui est pixel. Il va vouloir mettre sa bombe, lui, à tous les coups. On n'est pas largué dans la game, hein. On n'est clairement pas largué. C'est pas encore fini. Oh, ça, c'était nul, ça. Allez, viens, 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 viens. Ok, mais un petit peu pour rien, on va dire. J'essaie de pré-shot un truc, mais ça me... J'imaginais pas non plus pré-shot. Hein. C'était plus une tentative. Ok. Il y a... Oh, on aurait pu outcycle le cochon. Quel dommage. Oh, dis-moi qui tue l'arty. Il tue pas l'arty. Il tue pas l'arty. Il tue rien du tout. Déçu du bourreau, là. Comme déçu du bourreau. Allez, hop, on met toutes les forces dans la bataille. Hein. Oh, il va être tard. Oh, il va être tard. Oh, il est tard. Oh non, lui, casse-toi. Non. Mais pourquoi, lui, il vient se mêler de ce qu'il regarde pas? Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. On lui a rien demandé au mini PK. Ok. Non, mais attendez, j'ai pas posé un esprit, là. Wouah, non, la dinguerie. Ok. Il va falloir tenter, là. Là, c'est maintenant ou jamais. Oh, pff. Bon, première défaite. Là, je vais pas vous mentir, la game est loose. Non. On va quand même résister, hein. On va quand même résister pour le deck. Montrer qu'on s'est pas non plus fait allumer. Mais... C'est vrai que première lose avec le deck. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux. C'est vrai que
Les gars, je suis en train de penser que si j'aurais défendu le mini PK, j'aurais pas perdu. Mais si j'aurais défendu le mini PK, j'aurais eu moins d'élixir. J'aurais pas eu les mêmes cartes en main. Donc la game, selon moi, c'est mon analyse, n'aurait rien eu à voir. Donc franchement, on sait pas si j'aurais gagné. Mais on va partir dans une quatrième game. On va au moins partir sur une victoire. On va partir sur une victoire, c'est parti. Parce que oui, la première analyse, c'est quoi? C'est le mec qui fait le philosophe. Si j'ai perdu 1000 PV avec le mini PK, certes. Mais si j'aurais voulu ne pas les perdre, j'aurais dû mettre ma tornade. Or, derrière, j'ai défendu les sapeurs avec la tornade. Donc peut-être que j'aurais pris 400 PV. Et à la place de gagner 200 PV, en fait, j'aurais perdu 300. Je sais pas si vous suivez le raisonnement jusqu'au bout. Mais, du coup, bon, après, c'est vrai que vaut mieux prendre 300 PV sur les deux tours que 1000 sur une seule. Ça, jusqu'à là, je vous rejoins. Mais bon. Pourquoi je pars à droite, moi? Ouais, en vrai, je préfère quand même partir à l'opposé de lui. Surtout que son deck, il m'a l'air plutôt impressionnant. Niveau DPS, ça m'a l'air d'être quelque chose. Entre Barbare d'élite plus PK, là. Oh, le sorcier. Oh, le big sorcier, là. Faudrait que je retrouve mon deck avant, tout début, quand j'étais genre 2900 trophées. Je crois que c'était l'arène 7. Je crois que je jouais un deck... Oh purée, oh là là. Oh là les gars, ça va être quelque chose la game. Le bourreau, s'il te plaît, me lâche pas. Non les gars, je vais pas faire deux fois la même erreur. Je vais le défendre sur mini PK. Coûte que coûte, je prendrai pas 1000 PV sur ma tour. Ça je vous le dis. Allez, gère-le. Nickel. À l'ancienne, je jouais un deck, c'était PK. Il y avait sorcier, il y avait bébé dragon, il y avait tornade. Je crois que j'avais juste un zap. Et après, je me rappelle plus des cartes. J'aimerais bien le représenter, le retester en ambiance un peu 2016-2017. Mais c'est vrai que... Attendez, parce que là... Oh là là, oh là là. Active au moins la tour, s'il te plaît. Je t'en supplie. Nickel. On a pris cher, mais on active la tour. Et contre un deck comme lui, je pense que ça peut faire la diff. Je pense que ça peut faire la diff. Après, j'ai pas trop le moyen non plus de le ramener en centre de terrain, mais peut-être sur une tornade... C'est vrai que la tour du roi, elle peut toujours sauver sur une tornade ou quoi. Ok. Bourreau ici, je vais mettre des zaps. Je vais mettre des zaps. Je vais mettre des chauves-souris juste là. Petit esprit avant que le sorcier arrive. Allez, tue-moi-le, s'il te plaît. Nice. Oh, j'avais pas vu ça. Ça, j'avais pas capté ça. Est-ce qu'on peut défendre sans potentiellement la tornade? Oh non, oh non, oh non. Mais non, mais non, mais non, mais... Je rêve. Je crois rêver. Les gars, il a qu'un seul PK. Rappelez-en-vous bien. Il a qu'un seul PK. Et il a des barbares d'élite, c'est vrai. Mais il a qu'un seul PK. Il a qu'un seul PK jusqu'à preuve du contraire. Ok, à droite, on défend pas. À droite, on défend pas, c'est gauche, c'est gauche, c'est gauche. Tout est gauche. C'est la gauche ou rien, là. Il est pas naïf pour avoir un seul PK deux fois de suite, quand même. On va pas lui faire le coup deux fois de suite. Non, il fera pas le coup, les gars. C'est la fin du rêve. Tue-moi au moins le sorcier, s'il te plaît, je t'en demande pas beaucoup. Voilà, tue le sorcier. Il me l'a pas tué. Il va mettre son ballon. Les gars, c'est... Je vois dans son jeu, je vois dans... Oh non, il a un zap. Oh non, il a un zap. Ah bah les gars, ça, là c'est plus de dégâts là. Là c'est dégâts, tu perds. Hein. Oh dites-moi qu'il a rien pour finir là, ce sera abusif quand même. Allez! Non, le move de la tornade, il était beau. Reste en vie, je t'en souviens. Oh là 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 là. J'ai plus de tornade les gars. J'ai plus de tornade. Oh c'est la sauce. Une tornade s'il vous plaît. Ok. Ok, j'ai une tornade. Non. Quel boulet. Oh, je suis dégoûté, les gars. Je veux même pas voir. Je sais que j'ai perdu. Je suis écœuré de perdre cette game. Les gars, on part dans une cinquième game. Je peux pas partir là-dessus. Là, vous allez croire que mon deck ne marche plus en 2023. En 2024, même. Mais en fait, c'est le problème des fois, c'est pas le deck, c'est le joueur. Et là, j'avoue, je plaide coupable. J'aurais dû gagner cette game. On part dans la cinquième game. Je dois me racheter, là. Je dois me rattraper.
J'ai raté une tornade. En plus, j'étais pas obligé de la placer pixel. C'est pas comme si j'étais au carreau près. Non, fallait juste le reculer un petit peu. C'est limite, je mettais en plein sur le ballon. Ça passait. Non, moi j'ai voulu faire trop parfait. J'ai voulu faire. Oh là là, trois mousquetaires. Vous allez voir qu'on va passer d'un 2-0 à un 3-2. Et trois défaites, hein, pas trois victoires. C'est ça qui va être problématique dans cette vidéo. Bon. Ok. Le dernier coup de bourreau qui met très très bien là pour le coup. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Panique. Ok. Là, je peux pas croire qu'il ait attendu aussi longtemps pour poser son mini PK et qu'il ait encore de l'élixir. J'ai déjà fait deux misclic tornades. Hein. Ok. J'allais dire jamais 203. Dans cette situation, je préfère éviter quand même. Parce que je pense, honnêtement, le mini PK il me met 3 coups, ma tour elle pleure. Bon. Qu'est-ce qu'il nous réserve, Vincente? Là, on est très très bien. Oh là là, la pompe. Oh là, oh la panique. Oh la panique. Je garde mon MK. Ah, j'ai trop peur. Hop, 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 hop. Je vais pas faire l'erreur de mettre le MK. Il va me pondre des 3 mousquetaires au pont. Ah, je vais parler une autre langue, là. C'est quoi ce deck de malade? C'est quoi ce deck de malade? J'avais pas trouvé le fou de la vidéo encore. Je l'avais pas encore, bien identifié. Je crois qu'il est là, là. Je crois qu'il est juste ici. Petite bûche. Oh la défense. Oh la défense. Oh la défense, elle est présente là. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Oui. Oh magnifique. Magnifique. Viens par là toi. Ah, j'ai raté. Mais non les gars, mais non, j'ai rien raté. C'était la pompe que je visais. C'était bien évidemment la pompe. On est trop bien là. J'ai même envie de mettre une tornade pour finir ces pompes là. Il va me gratter un élixir de plus encore à tous les coups. La petite bats qui arrive là. Non. Dommage, dommage. C'était bien tenté, c'était bien voulu. Oh bah tiens. Oh bah là je vais pas me gêner, tiens. Ok, le bourreau dans mon esprit, il t'avait peut-être un peu plus les mousquetaires. C'est pas faux. Oh la sauce. Oh la sauce, je défends où là? Là je défends où là? Allez. Oh la défense est folle. La défense est folle. Non, la tornade est folle. C'est bon, il n'y a pas le temps. Il n'y a jamais le temps que ça me gratte. 3 victoires, 2 défaites, la défense est folle. La tornade qui est là juste pour limiter les dégâts encaissés. Magnifique tornade. On se quitte avec 3 victoires, 2 défaites. Positif. Deck de 2017. Validé. Plus que validé, les gars. N'hésitez pas à le test si vous voulez changer un petit peu de l'habitude. En tout cas, on se retrouve comme tous les jours. J'espère que cette nouvelle série va vous plaire un petit peu, de retourner un petit peu avec les decks du passé. Même, je pourrais voir ce qui était joué en compétition, par exemple en 2017-2018, essayer de revoir si ces decks marchent toujours. En tout cas, c'était Laozerty. J'espère que cette vidéo, comme tous les jours, vous a plu. On se retrouve dès demain. Encore une fois, comme tous les jours, je me répète. Pour une nouvelle vidéo, c'était Laozerty. Ciao.